D'accord, ouais, d'accord. Ouais, viens là, viens là, viens là. J'attends, j'attends. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est un match important, voilà, c'est la seule défaite de notre saison. Là on est à domicile, on a notre public, il y a une bonne ambiance. À côté on sait qu'il y a Diallo, voilà, c'est un fort joueur. On répond présent quand même, on est à, ouais, à moins 2. Moins 2, on est bon dans l'intensité, après il faut plus qu'on mette la balle à l'intérieur. Au début c'était dur au début. Ouais, au début on a eu un peu un manque de réussite, une grosse défense, on a eu un peu peur de jouer à l'intérieur, etc. Mais on a bien réagi et on se retrouve à moins 2. On a parlé dans le vestiaire du fait que voilà, fallait qu'on fasse plus circuler la balle, notamment la mettre à l'intérieur. On sait ce qu'on a à faire, on connaît nos systèmes, ça va bien se passer normalement. Ouais, assez serré, c'est tendu des deux côtés. On sent que les équipes elles font des gros efforts défensifs, ça se voit au niveau du score, parce qu'on est quand même deux bonnes techniques offensivement parlant. Donc voilà, ça reste très serré. Tout va jouer sur la fin de match, je pense. Va falloir être vigilant sur le troisième quart-temps, début du troisième. Garder cette intensité défensive, faire des stops, courir et bon, lâcher les chevaux parce que c'est vraiment crispant et on n'a qu'une seule envie, nous, c'est emballer le match. Et
des matchs qui sont faits pour ça. Hein. On n'a pas beaucoup, je pense, dans une vie de basketteur, dans une saison encore moins. C'est un bon match, il y a des frissons de temps en temps. Ils sont bien battus, nous aussi. Ils méritent sur la saison, nous aussi. Mais aujourd'hui, c'est eux qui l'emportent. Ce lancer franc, ouais, ce lancer franc, il est rageant. J'en ai tiré des milliers, j'en ai marqué des milliers, raté plein. Et là, c'est encore un de plus. Ça me fait chier, ça m'emmerde profondément. Mais bon, ça fait partie du jeu, on aurait dû marquer ceux d'avant. Et voilà, on ne perd pas le match là-dessus, même si c'est vrai que ça nous aurait donné 5 minutes d'espoir en plus. Merci beaucoup. Merci à toi. Désolé. Ouais, donc tu me dis... c'est des matchs qu'on aime voir et c'est des matchs qu'on aime participer. Ouais, non, c'est super parce que je suis rentré chez moi pour ça. Le président, c'est un gars avec qui j'étais à l'école. J'ai arrêté ma carrière pro pour ce projet-là, pour monter en N3 sur 3 ans. Et on y arrive au bout de 2 ans. Et franchement, c'est génial. C'est... En fait, peu importe la montée, que ce soit une montée en Pro B, en N1, en N3, c'est la même saveur. C'est extraordinaire. Ouais. Et puis, franchement, en plus, je m'en voulais. C'est parce que ce match-là, j'étais cramé. Et les gars, ils ont fait un super taf. Et franchement, c'était un beau match de basket parce que c'était intense. Les Golf avaient vraiment une super équipe. Et même l'année dernière, je trouvais que c'était l'équipe qui jouait le mieux au basket. Et voilà, c'est une super récompense. Franchement, pour le club, pour les Sanariens, c'est génial. Qui revient en N3 après des années, c'est quand même une terre basket anciennement, Sanarien. Et ça fait plaisir parce que c'est que le début de quelque chose qu'on essaye de mettre en place. Et voilà, on sait que ça prend du temps de monter un club sympa et tout. Là c'est le début, c'est la première pierre à l'édifice. Les autres gars avaient déjà fait 2 montées d'affilée. Ça fait 3 montées en 2 ans, enfin en 3 ans. Il y a 2 ans et demi, ce club était en départ. Donc c'est génial quoi. C'est génial. Félicitations. Merci beaucoup. Cette saison que vous avez fait. Merci. Félicitations pour ce match aussi. Merci. Ça fait plaisir.